Salut tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais présenter mon parcours scolaire parce que c'est quelque chose qui peut vous aider, qui peut aider une personne en tout cas, ou qui peut tout simplement donner des idées ou enfin tout simplement des conseils pour une personne qui a besoin de conseils. Du coup, pour en venir à mon parcours scolaire. Alors bon, j'ai fait une primaire très normale, lambda, maternelle, vous connaissez, primaire, etc. Collège. Alors il faut savoir qu'au collège, il y a un mouvement en fait qui est d'envoyer les enfants en pro sans raison et d'autres en général sans raison. Et donc au moment de faire les vœux en troisième et tout, tu remplis une fiche en fait où tu mets les lycées que tu as envie de, enfin où tu as envie d'aller étudier. Donc moi j'avais rempli cette feuille avec mon père, donc mon père qui était à l'époque professeur de mathématiques, donc il s'y connaissait bien hein, tout ce qui est école et tout, système scolaire, tout ça. Donc on remplit tout ça. Maintenant c'est pas ma proviseur de collège, proviseur, hein, proviseur, pas CPE, celle qui est vraiment au-dessus là. Elle explique à mon père que oui, votre fille, elle peut pas aller en général parce que certaines matières en fait dans lesquelles elle a pas la moyenne et dans lesquelles il faut la moyenne pour aller en général. Même si sa moyenne générale est bien, donc même si elle a une très très bonne moyenne générale, étant donné que dans les différentes matières, elle a pas la moyenne, enfin elle a pas les bonnes notes, elle pourra pas aller en général. Bref, elle a raconté toute sa science, etc. Sachant qu'il y a d'autres personnes qui travaillaient terriblement mal, mais qui sont allées en général. Bref. Donc, elle a raconté sa science et tout. Et c'est pas, elle voulait mettre en pro mode. Franchement, j'ai rien contre les gens qui vont en pro mode. Mais j'étais en troisième, en fait, et c'est pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Genre, qui t'a dit que je voulais travailler dans la mode ou que je voulais être styliste? Et puis, même, moi, je t'ai dit que je voulais devenir styliste. Est-ce que je t'ai dit que je voulais travailler dans la mode déjà? Et en fait, j'ai l'impression que les proviseurs là du collège, ils aiment trop faire ça. Ils aiment trop mettre les gens en pro mode. Genre, j'ai vraiment l'impression qu'ils savent pas quoi donner d'autre aux élèves à part pro mode. Genre, parce que je connais d'autres personnes à qui ils ont fait ça et pareil, genre pro mode. Mais je me dis, mais c'est une dinguerie de faire ça en fait. Qui vous a dit qu'on aimait la mode? En plus, c'est toujours eux qui proposent, hein. C'est pas nous, on leur dit oui, j'aime beaucoup la mode. Non, c'est eux, ils te proposent, ils t'imposent même. Et genre, elle avait rempli la fiche de vœux à ma place et elle avait mis plein de lycées pour aller faire de la mode. Mais qui t'a dit que je voulais aller faire de la mode? Qui t'a dit ça? Même si j'étais à la mode. J'étais pas du tout à la mode, mais voilà, vous m'avez compris. Genre, qui t'a dit ça? Et genre, elle avait mis plein de lycées. Elle avait mis mode, genre le truc qui n'a rien à voir avec ce que j'aime en fait. Même si aujourd'hui j'aime la mode, mais ça n'a rien à voir avec le fait de travailler dans la mode. Enfin bref. Et c'est pas et tout, mais elle avait vraiment rempli. En fait, elle avait rempli à ma place et tout. Genre déjà, ça se fait pas de remplir quelque chose à la place de quelqu'un. Tu sais pas ce que la personne elle veut faire de sa vie. Et tu remplis comme ça et tu mets quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que la personne elle aime. Donc c'est pas, elle remplit comme ça, elle me passe. Moi, tu connais, quand t'es en troisième, t'es un peu naïve et tout. Enfin, pas beaucoup, mais quand même, tu dis, vas-y, c'est pas grave. Enfin, t'as moins de recul que bah, quand t'es plus grande et que t'as fait des études et que t'as vu un peu le système des études et tout. T'as moins de recul, en fait. Du coup, tu dis un peu, vas-y. Parce que tu mesures pas l'impact à ce moment-là. Tu dis pas, ça va me suivre. Après, je serai obligée d'aller dans des écoles de mode alors que c'est pas tout ce que je voulais. On va me refuser dans les écoles de droit. On va me refuser là-bas. Tu vois, enfin, t'as pas le même recul, en fait, quand t'es en troisième que là, aujourd'hui. Du coup, je mesurais pas l'impact. Je me dis, vas-y, c'est pas grave, au pire, j'irai en mode. Enfin, je mesurais pas l'impact. Donc, je suis partie présenter la feuille à mon père pour qu'il la signe. Mon père, il a dit, mais c'est parce que du coup, mon père qui est adulte et qui était déjà adulte à ce moment-là, avait mesuré l'impact. Il s'est dit, mais qui vous a dit que ma fille, elle voulait faire la mode, en fait? Genre, ma fille, elle veut pas du tout faire ça. Enfin, et comme il connaissait, il savait qu'avec un bac pro mode, en fait, j'allais pas pouvoir aller dans ce que moi je voulais faire à ce moment-là. Et moi, tout ce que je voulais faire, c'était tout ce qui est gestion, administration, commerce, enfin, rien à voir avec la mode, en fait. Rien à voir avec la mode. Et même, en fait, je savais même pas expliquer ce que je voulais vraiment, parce que à ce moment-là, en fait, je connaissais pas exactement les termes, etc. C'est aujourd'hui, je peux me permettre de dire oui, gestion, administration, caca.
Mais en troisième, tu connais pas les termes en fait, tu veux juste aller à l'école. Tu vas à l'école seulement pour aller à l'école. Je sais pas, t'es en troisième, t'as 14 ans, t'as chaud, il y a le brevet et tout. En fait, tu. Je veux mon brevet seulement et puis un lycée. C'est tout. Mon père, quand il connaissait, il a dit non, non, non. Et c'est pas la dame, elle voulait pas changer. Elle a dit si, elle va aller en bac pro mode. En plus, le pire, c'est que des bac pro, il y en a plein. Pourquoi elle m'a associé à la mode directement? Non, mais franchement. Non, mais quels sont ses préjugés? Franchement. Non, mais je suis vraiment dépassée. Du coup, ce que mon père, il a fait, c'est qu'il est parti à la mairie. En fait, ça s'appelle faire appel. Donc, il a fait appel, il est parti à la mairie, tout ça. Il a pris rendez-vous. On lui a demandé, voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne voulez pas que votre fille aille dans ce que le proviseur du collège a proposé, qu'est-ce que vous voulez comme filière? Et franchement, ça a été simple. En fait, la seule chose qui a bloqué, c'est que, étant donné que le collège avait signé pour que j'aille en pro, en fait, je pouvais aller en pro dans tout ce que je veux, mais pas en général, en fait. Donc, ça veut dire que je pouvais changer la filière de pro, mais dans tous les cas, je n'allais pas aller en général. Enfin, dans tous les cas, je pouvais juste prendre, en fait, une autre filière de pro. Donc, ça a été très simple, franchement. Enfin, du coup, j'ai pris gestion administration. Et au final, je suis partie en gestion administration à la place de bac mode. C'est pas du tout ce que je voulais. En fait, je rigole parce que c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais pas partir en bac pro mode. Et donc, du coup, mon père, en fait, il m'a juste posé la question. Il m'a dit, oui, du coup, c'est quoi que tu veux faire, etc. Et j'ai dit, moi, je veux partir en gestion administration, en fait. Déjà, à la base, je voulais partir en général. Mais en vrai, je voulais partir en général juste pour faire genre, ouais, c'est les plus intelligents qui vont en général et les plus belles qui vont en pro. Parce que à l'ancienne, c'était trop. Et je sais pas si c'est toujours comme ça, mais en tout cas, moi, quand j'étais au collège, c'était trop. Ouais, ceux qui vont en général, ils sont plus intelligents. Ceux qui vont en pro, ils sont bêtes. Alors que pas du tout. Après, c'est aussi parce que les professeurs, quand t'avais des mauvaises notes, en fait, ils te mettaient directement en pro. Et quand t'avais des bonnes notes, ils te mettaient en général. Sachant qu'il y a des personnes qui avaient des mauvaises notes et qui allaient quand même en général. Parce qu'ils demandaient général et parce que les professeurs leur accordaient. Donc, j'ai fait mon bac gestion administration et franchement, c'était trop bien. Genre, même au niveau des rencontres, au niveau des filières et tout, enfin, au niveau des matières et tout, et au niveau des stages et tout, franchement, j'ai trop aimé et ça a apporté beaucoup de débouchés. Hein. Donc, je passe mon baccalauréat gestion administration, je l'obtiens avec mention, Dieu merci, ça se passait bien, j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac. Ensuite, je suis partie à la fac. Je suis partie me perdre à la fac. Hein. J'ai fait une année de art. Parce qu'en fait, j'aimais trop. J'ai toujours été dans tout ce qui est vidéo et tout et tout. Je suis partie en art. Parce que moi, je me suis dit, vas-y, j'aime bien tout ce qui est art, tout ce qui est théâtre, tout ce qui est cinéma, tout ce qui est ceci, cela. Genre, limite, j'ai failli m'inscrire au cours Florent, mais au final, je ne me suis pas inscrite. Mais je suis partie en art et je pensais en fait que c'était l'équivalent des cours Florent, l'équivalent de tout ce qui est artistique, quoi. Pas du tout, mais comme personne m'avait dit, moi je savais pas, je suis partie m'inscrire en art seulement et en fait c'était pas du tout, enfin c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'était vraiment tout ce qui est Molière, tout ce qui va être Victor Hugo, en fait tout ce qui est lié à la théorie et pas à la pratique, en fait c'est vraiment pour apprendre l'histoire et tout, enfin bref voilà, et c'est pas du tout ce que j'aimais et ce à quoi je m'attendais du coup. Donc je suis restée pas un an, hein, je suis restée moins d'un an, mais j'ai fait des rencontres et tout, franchement c'était bien la fac, hein. Et ça change du lycée, tu vois quand tu quittes le lycée et que t'arrives à la fac, t'es dans un nouveau monde, dans un nouveau mood et dans un nouveau monde, genre vraiment t'es en mode, c'est un changement et t'es trop dans un mood nouvelle vie, changement, là je suis étudiante et tout. T'es vraiment dans un mood, ouais, j'ai mon bac et tout. Là, je suis étudiante, j'aurai la bourse, j'aurai de l'argent, je pourrais m'acheter tout. Enfin, t'es dans un mood... t'es à part, en fait. Un mood à part, pardon. Et du coup, j'étais trop dans ce mood-là. Du coup, j'avais pas envie d'étudier. J'avais quand même envie d'étudier pour quand même faire quelque chose de mes études, faire quelque chose de ma vie. J'avais pas allé à l'école pour rien. J'avais quand même ce côté où j'avais envie d'étudier. Mais j'étais trop dans un mood de, ouais, je suis à la fac et tout. Je vais rencontrer de nouvelles personnes, tout ça. Et franchement, c'était une année, on peut dire, sabbatique. Parce que j'ai rien foutu. Mais vous savez ce qui est bizarre? C'est que même en ne faisant rien, enfin, en faisant le minimum, j'avais quand même des bonnes notes.
Genre, c'est une dinguerie. J'avais quand même des bonnes notes alors que je m'amusais et tout. Je faisais connaissance avec une nouvelle personne et tout. Enfin, franchement, on peut dire que c'était une année sabbatique sans vraiment être une année sabbatique parce que c'était trop bien. J'étais à la Sorbonne, à... Je sais plus c'était Paris combien, mais du coup, c'était une fac d'art. Ben, voilà. Et franchement, c'était grave bien. Et malgré ça, j'avais des bonnes notes quand même. J'avais pas validé parce que j'avais pas passé tous mes partiels et tout. Enfin, j'étais même pas allée, je crois. J'avais laissé tomber la fac à ce moment-là. Mais le peu de notes que j'avais, en fait, ça m'a quand même sauvé. Enfin, ça a quand même sauvé mon dossier. Parce que du coup, je voulais quand même continuer à la fac, mais en faisant autre chose. Du coup, je voulais plus faire art parce que ça allait deux secondes, quoi. Du coup, j'avais postulé pour un BTS. Donc, rien à voir avec la fac. J'avais postulé pour un BTS parce qu'on m'avait expliqué que je pourrais être acceptée plus facilement, étant donné que j'avais rien foutu durant cette année. Je pourrais être acceptée plus facilement et tout en BTS. Donc, je postule à des BTS, différents BTS. J'ai postulé franchement à différents BTS, hein, tellement que j'avais peur de pas être acceptée. Je me dis, bon, c'est pas grave, si je suis pas acceptée à celui-là, je serai au moins acceptée à celui-là. Mais c'était des trucs que je voulais faire NRC. C'est quoi NRC? C'est négociation, relation client. Assistant manager, aujourd'hui ça s'appelle support action managériale. Enfin bref, j'ai postulé seulement, mais à des trucs que je voulais vraiment faire, hein, pas des trucs que je voulais pas faire. Donc j'ai postulé, mais j'ai grave postulé, hein. Franchement, ne relâchez jamais. Aujourd'hui c'est différent parce qu'il y a Parcoursup, etc. Mais à l'époque, tu pouvais faire un dossier papier et le donner directement en fait au CPE du lycée pour un BTS ou au proviseur de l'université pour une licence. Alors qu'aujourd'hui, il y a Parcoursup et tout. Donc, en tout cas, moi, je vous encourage vraiment à ne pas baisser les bras. Postuler, même si on dit Parcoursup et tout, c'est relou, etc. Continuez seulement de postuler, vous savez pas. Même si tu es sur liste d'attente numéro 48 ou numéro 100, quelque chose là, tu sais pas. Dieu peut faire en sorte que, paf, on appelle toi et pas les autres personnes qui étaient avant toi sur la liste d'attente. Tu sais pas, un miracle peut se produire. Donc, postulons, postulons seulement. Il n'y avait pas tout ça là. C'était vraiment... qu'une fois que tu avais ton bac, pour passer du lycée à ta vie d'étudiant, tu devais passer sur quelque chose qu'on appelait APB. Ça date, APB ça date trop. Et c'était juste en fait pour la première année après le bac. Mais après, tu allais voir directement les proviseurs, les CPE et tout. Tu allais les voir. Donc moi j'avais fait mes dossiers, je les avais envoyés par courrier dans différents lycées. Je me rappelle, j'avais acheté plein d'enveloppes, plein de timbres. J'avais envoyé, j'avais fait plein de photocopies parce qu'après, Dieu merci, j'avais une photocopieuse aussi chez moi. Donc, j'avais pas besoin de payer des photocopies 10 centimes, 30 centimes et tout. Donc ça, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Je faisais plein de photocopies, tous mes bulletins là. Tout ce qu'ils demandaient, je photocopiais, je mettais dans l'enveloppe, timbre, paf, avec ma bourse. J'avais eu la bourse, non. Avec ma bourse, paf, j'envoyais. J'en envoyais tellement et j'envoyais tellement de dossiers et dans la vie, hein. Si tu veux avoir ton école, franchement, faut pas hésiter à envoyer des dossiers. Même si on te dit, ouais, les enveloppes, c'est trop cher. Les timbres, c'est trop cher. C'est pas grave, ce sera jamais plus cher que ça. Enfin, franchement, tu payes 20 euros, tu envoies tes courriers seulement. Mais en tout cas, je me suis dit, c'est pas grave. Au moins, après, j'aurai mon truc et je serai tranquille. Genre, c'est pas grave. J'ai payé tous les timbres qu'il fallait payer. Des timbres, c'est pas très cher, les timbres en plus. J'ai envoyé tous les courriers. Maintenant, on m'appelle, on me dit, ouais... vous êtes accepté et tout. Enfin, tu es accepté pour faire justement le BTS support action managériale, donc qui s'appelait auparavant assistant manager. Et du coup, un BTS c'est 2 ans. Donc j'ai fait 2 ans de BTS. 2 ans de BTS, paf, validé. Bon, ça n'a pas été facile de valider parce que pareil, j'étais trop dans un mood pomper la pêche. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'était le fait d'avoir une bourse. La bourse, c'est nos premiers vrais revenus étudiants. Enfin, je sais pas, genre, t'es contente d'avoir la bourse et tout, t'es là. En plus, moi, j'étais échelon beaucoup. Enfin, je crois que j'avais 300 quelque chose. Pour moi, c'était 400. En fait, j'avais 380 euros par mois. Mais dans ma tête, j'avais 400. J'arrondissais toujours à 400. Quand on me demandait, je disais, ouais, j'ai 400 euros. J'ai 400 euros et tout. Je sais pas, genre, j'avais de l'argent, je pouvais m'acheter mes propres trucs et tout. Et j'étais trop en mode pompé l'œuvre. Donc, même le BTS, j'avais pas eu du premier coup. Hein. Le BTS, j'ai dû le repasser. En fait, il faut savoir que le BTS, c'est 2 ans et moi, je l'ai eu en 3 ans. Donc, dites-vous qu'à partir de là, et tout. Mais en fait, c'est pas grave parce que j'avais quand même validé. Du coup, c'est pas grave. Parce que je me rendais compte quand même que c'était de ma faute. C'est moi qui étais trop pompé l'œuvre et tout durant l'année scolaire. Du coup, je le prenais pas mal. En fait, j'étais pas triste quand j'avais pas. Parce que je me rendais compte de pourquoi je l'ai pas.
C'est pas comme si j'avais trop travaillé et j'avais pas eu et je comprenais pas. Non, là, c'est vraiment parce que c'était pompé, là. Du coup, quand je me concentrais, du coup, l'année où j'ai eu, je me suis dit, vas-y, cette année, je me calme et tout, je travaille vraiment. Et l'année où j'ai eu, j'avais grave des bonnes notes. J'étais, je crois que j'étais dans les premiers de la classe et tout. Je charbonnais de ouf et au final, j'ai pu valider mon BTS. Là, nous sommes à mon bac plus 2. Du coup, après toutes ces péripéties, j'avais enfin un bac plus 2. Enfin, j'avais fait une année de fac, j'avais raté mon BTS une fois. Mais je suis arrivée à mon bac plus 2. Je me suis dit, ah, je suis trop fière de moi et tout, j'ai un bac plus 2. Je suis connue, t'as ton BTS, t'es contente et tout. En plus, je sais pas s'il y en a qui l'ont passé à Villepinte ou je sais pas, parc des expositions. Tu vois, il y a du monde et tout. T'es stressée, t'es pas bien, tout ça. Parce que t'es vraiment dans un mood d'examen. Alors qu'à la fac, c'est, je sais pas, c'est pas pareil. Genre c'est des TD, t'es dans une salle comme au brevet, tu passes ton diplôme, enfin ton examen. C'est pas pareil. Le BTS, il y a du monde. T'es trop dans un mood, je sais pas, genre examen. On a validé ça. Ou une fois que j'ai eu mon BTS, j'ai postulé pour faire une licence. En fait, je me suis renseignée un peu et je me suis rendu compte qu'avec un BTS, tu peux quand même aller à la fac. Alors qu'il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui pensent qu'après ton BTS, tu es obligé de travailler ou je sais pas. Et il faut savoir que si tu es accepté, en fait, tu vas directement en licence 3. En fait, tu repasses pas la première et la deuxième année. Si tu passes de BTS à licence, c'est-à-dire que tes 2 ans de BTS, en fait, ils valent les 2 premières années de licence. Donc je me suis dit, c'est trop bien et tout. Du coup, j'ai commencé à postuler dans différentes facs. Et vu que ce que je voulais faire, c'était commerce international. Donc j'ai postulé pour une licence commerce international. Et ce qui est bien, c'est que j'ai été acceptée direct. À ce moment-là, je repars à la fac. Je me dis, bon, c'est reparti pour la fac. Franchement, j'appréhendais un peu parce que la fac, c'est pas un pélope, hein. Les profs, ils ont pas ton temps. C'est, ils te donnent le cours et tu prends ton cours et tu t'en vas, quoi. Tu le notes ou tu le notes pas, c'est pas leur problème. L'essentiel, le jour du partiel, en tout cas, pas de triche. Le jour du partiel, tu passes ton examen. Eux, ils posent des questions du cours. T'as pris des notes, t'as pas pris des notes, c'est pas leur problème. Et ils vérifient bien s'il n'y a pas de triche. Pourquoi? Parce que vu que c'est dans une salle de classe, en fait, pour les TD, pour ceux qui connaissent les TD, en fait, c'est des cours que t'as à la fac, en fait, et c'est dans une salle de classe comme au collège ou comme au lycée. Enfin, c'est vraiment une salle de classe, quoi. Je passe mes examens. Enfin, je passe mon année et tout et tout. Franchement, ça se passe super bien. Et la troisième année de licence, franchement, ça se passe super bien. Je fais des superbes rencontres et tout. On a nos petits groupes de filles, tout ça. Enfin, franchement, ça se passe super bien. Et là, je valide. Donc, à ce moment-là, je valide tout. Bien évidemment, je suis contente et tout, je valide. Et je me dis, j'ai toujours pas envie de travailler. En plus, vous verrez que j'ai jamais fait d'alternance, hein. Là, je parle pas d'alternance dans mon parcours parce que j'ai jamais fait d'alternance. Moi, je voulais pas travailler. Je voulais juste aller à l'école seulement, travailler à l'école. En fait, je voulais pas. Le monde du travail, c'est quelque chose, genre, je sais pas, j'aimais pas. Une fois que j'ai eu ma licence, je me suis dit, je continue. Je voulais pas travailler. La licence que j'ai faite, en fait, c'était les mêmes professeurs qui géraient, donc qui étaient en charge du master que je voulais faire, vu que je voulais faire un master management international. Je postule tout ça, et c'est pas... On me propose de faire une année de césure. Donc une année de césure, c'est quoi? C'est une année, en fait, t'es toujours inscrit dans ton école. Donc t'es officiellement étudiant ou étudiante. Et en fait, tu as la possibilité de faire des stages. Donc, c'est une année entière, enfin une année vraiment scolaire, où tu fais que des stages, mais tu as le titre d'étudiant ou d'étudiante. Donc, moi, je me suis dit, ah, mais c'est chouette, ça, etc. Comme ça, au moins, j'aurai la possibilité de faire des plus longs stages. En fait, tu peux faire des stages de 6 mois. Et du coup, tu peux en faire deux de 6 mois. Ou sinon, tu peux faire aussi des stages à l'étranger. Tu peux faire des échanges où tu vas dans une école à l'étranger, etc. Ça te permet aussi de voyager, etc. Enfin... Et c'est pris en charge par ton école. Donc, c'est super, tu vois. Moi, on me propose ça quand j'étais à ma 3e année de licence et que je voulais faire mon master. Mes profs me disent, fais une année de césure, tu verras. Ce sera, enfin, c'est bien d'avoir une année de césure sur son CV parce que là, tu n'as jamais fait d'alternance, tu n'as fait que des stages de 2 mois. C'est bien comme ça. Une fois que tu auras ton master, tu pourras au moins jouer sur tes stages de 6 mois. Du coup, je me dis, ok, tout ça, moi, j'étais partante. Mais j'avoue, j'étais un peu sceptique parce que... Je sais pas, j'aime trop la vie d'étudiante et tout. Donc j'étais un peu sceptique, mais je me suis dit, vas-y, je vais chercher. Et j'étais aussi sceptique parce que je me suis dit, est-ce que je vais trouver un stage de 6 mois et tout? En fait, je connaissais vraiment pas les stages de 6 mois.
je connaissais vraiment pas tout ça. Du coup, je me suis dit comment ça se passe tout ça et j'ai commencé à chercher sur LinkedIn, Indeed, plein de sites. Vous verrez, il y a marqué stage 6 mois, stage 6 mois. Et je vous assure que les années de césure, hein, c'est vraiment conseillé et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Surtout pour des personnes qui n'ont jamais fait d'alternance, faites des années de césure. Et même si vous avez fait de l'alternance, des années de césure où vous partez dans un autre pays et tout, et en fait vous étudiez dans un autre pays, c'est vraiment des échanges et tout. Franchement, je vous conseille de faire ça. Sur un CV, c'est toujours un plus d'avoir une année de césure, d'avoir ce type d'échange à l'étranger et tout. C'est toujours un plus sur un CV. Donc moi, je commence à chercher tout ça. Je cherche stage, tout ça. J'avais jamais fait de stage dans une entreprise de renommée. En fait, moi, c'était toujours des startups, des entreprises vraiment pas connues et tout. Enfin, c'était vraiment des trucs vite fait que je trouvais par piston, en plus, la plupart du temps. Et en fait, là, j'étais contente de me dire, j'ai trouvé un stage parce que du coup, j'avais trouvé un stage toute seule. Genre, c'est pas du piston et c'est dans une entreprise de renommée. Genre, vraiment, elle est très connue, cette entreprise. Tout le monde la connaît. Enfin, et du coup, j'étais grave fière de moi et tout. On m'appelle et tout pour l'entretien, tout ça. Et moi, je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment me prendre? Parce que ce genre d'entreprise, ils aiment bien prendre les étudiants qui sont en école de commerce, vous voyez. Enfin, et du coup, moi, vu que j'étais juste dans une université, je me suis dit, est-ce qu'ils vont m'accorder du crédit? Quoi? C'est pas, ils me rappellent et tout, entretien, tout. Maintenant, je me dis, bon, on verra à la suite de l'entretien. On m'appelle le lendemain de l'entretien. On m'appelle, on me dit, vous êtes prise. J'ai dit, mais ça, si c'est pas la gloire de Dieu, ça, là. Et j'étais tellement contente. Je me suis dit, ouais, sur mon CV, il y aura au moins des entreprises de renommée et tout. C'est bien, tout ça. Du coup, j'étais trop contente et tout. Franchement, une année de césure au top. Donc, c'est une maison de luxe. Et j'étais au siège en tant que chargée commerciale. Ouais, maison de luxe et tout. Franchement, une pépite. Et franchement, en contact. Contact au top. Stage au top. Et je me suis dit, mais si j'avais pas fait d'année de césure, j'allais jamais avoir l'occasion de travailler pour eux et tout. Et ça fait plaisir de se dire que on a des grandes entreprises sur notre CV. Du coup, j'étais fière de moi. Et je me suis dit, ah, c'est pas vous, le CPE et le proviseur du collège qui disait, ouais, elle ira pas loin et tout. Parce que c'était aller plus loin que ça, hein. C'était aller plus loin que ça. Je suis pas rentrée dans les détails, mais c'était aller plus loin que ça. Genre, mon père, il s'était tellement embrouillé avec eux qu'ils avaient sorti des dingueries. Genre, elle, vous pensez vraiment que elle peut aller en général? Vous pensez vraiment que elle peut faire quelque chose d'autre que bac pro mode? Genre, vous voyez le minimalisme? Et puis, qu'est-ce qui vous prouve qu'une personne en bac pro mode, elle peut pas devenir quelqu'un? Déjà. Mais comment c'était méchant? Non, mais franchement, je suis pas rentrée dans les détails, hein. Mais vraiment, il y a eu un clash. Il y a eu clash. Il y a eu clash. Genre, le proviseur, elle avait tellement... La proviseur, je sais pas si ça se dit, elle avait tellement mal parlé de ma personne. Elle avait trop mal parlé de ma personne. Ah non, non, non. Et bref, du coup, Dieu merci, j'ai pu faire donc ce stage. Et donc là, nous sommes à ma première année de master. Parce que du coup, après donc mon année de césure, donc j'ai fait qu'un stage. Parce que j'avais pas envie de faire un deuxième stage. J'avais envie de chill, de voyager et tout. Franchement, j'avais pas envie de faire un deuxième stage, sachant que j'étais pas vraiment obligée, tu vois. Donc ça, c'est cool. Donc ensuite, il me restait genre 3 mois en fait. Il me restait 3 mois avant ma rentrée. Je me suis dit, je vais partir en vacances, je vais faire un peu ma vie, etc. Donc je pars en vacances, je reviens, première année de master, deuxième année de master, on valide, on valide. On valide. Aujourd'hui, je suis fière, les gars, de vous dire que je reviens de loin. Mais aujourd'hui, je suis un bac plus 5. Et en plus, c'est le bac plus 5 que je voulais. Genre management international. Dieu merci, Dieu merci. On remercie la famille qui nous a soutenus. On remercie Dieu qui nous a toujours gardés. Parce que dans tout ça, il y a Dieu. Dans tout ça, il y a Dieu. Après, tout ça pour dire que c'est pas les études qui font l'intelligence ou c'est pas une obligation d'étudier jusqu'à avoir un bac plus 5 ou bac plus 6, 7, etc. Mais franchement, c'est la conviction. Moi, je me suis toujours dit, j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer. C'est vraiment moi. En fait, personne m'a forcé. Moi, mes parents, ils étaient pas dans un mood où faut étudier. Vous connaissez les darons africains, ils aiment bien mettre la pression à leurs enfants. Va à l'école, étudie. Moi, au contraire, hein, mon père, il m'a dit, va à l'école, au moins jusqu'au bac. Va un peu plus loin si tu sens que tu veux aller plus loin. Mais si tu vois que
Si tu vois que tu veux pas continuer, cherche un taf, mais un bon taf. Tout ça pour dire, en tout cas, si vous avez la conviction, la ferme conviction que vous devez continuer, continuez. Si vous avez la conviction que vous devez arrêter, arrêtez. Demande aussi à Dieu dans quoi tu dois percer. Demande à Dieu aussi, mais c'est vrai, en fait, là, je le dis comme ça, mais c'est réel. En fait, quand tu pries, demande à Dieu, tu dis, Dieu, en fait, moi, je suis amenée à faire quoi? Des fois, on pense savoir, mais on ne sait pas. Et l'Éternel, en fait, il nous connaît mieux que nous-mêmes. En fait, il nous connaît mieux que nous-mêmes, c'est lui qui nous a créés. Donc, lui-même, il sait, en fait. Lui-même, il va nous dire, il va nous guider, et vous verrez que tout va couler de source. En tout cas, c'est tout pour moi. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé un tout petit peu ou beaucoup, ou peut-être pas. Vous aura quand même aidé. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous fais plein de bisous. À bientôt!